Et salut les guys, salut Twitch! On est parti de nouveau pour cette Assassin's Creed Origins suite de live. On est à Alexandrie. Oups! Tais-toi. Je ne veux pas t'entendre. Voilà. Donc j'espère normalement que certes, beaucoup des problèmes vont avoir été réglés. Niveau du son, voilà. Alors là on m'entend peut-être pas très bien, le son dans le menu est très fort. Hop. On y va. Et là ça devrait être mieux, j'espère. Je vérifierai rapidement sur Twitch. Je pense qu'on doit bien... On doit pas trop mal m'entendre. Alors, hop, la lame secrète. C'est vrai qu'on a enfin eu la lame secrète. Ça, ça fait bien plaisir. Hop, la lame secrète. C'est vrai qu'on a enfin eu la lame secrète. Moi, ça a l'air d'être bien plaisir. Hop, la lame secrète. C'est vrai qu'on a enfin eu la lame secrète. Si je demande là de se taire, ouais. Moi, ça a l'air d'être bien plaisir. Par contre, je vais doubler le son si je continue comme ça. Hop. Voilà. Là, je double pas le son. Par contre, ce chargement est extrêmement long. Ah ben, oh la vache! Ah, heureusement qu'on en a pas beaucoup, hein, des chargements comme ça. Hein. Du fil à Kitaille chez Nadios. Tous alors... les habitants sont tenus de signaler les activités inhabituelles. Une meurtrière se... Ok, donc, dans mes différentes quêtes, je suis censé... on a dit qu'on allait continuer... On allait continuer un peu les quêtes principales, bien sûr, mais aussi on allait faire de la quête annexe. J'ai celle-là, mais on va peut-être essayer d'en obtenir d'autres. Si on a des proches, alors celle-là elle est bien trop au niveau, celle-là aussi. Je suis toujours niveau 9, je crois. Non, 10, ok. Je suis quand même niveau 10. Tac, 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 j'ai pas de points. Je vais y arriver. Ok, donc ici, cette quête-là est de niveau 11, cette quête-là est de niveau 10. On va aller chercher celle-là, comme ça on va prendre le point d'observation et on va faire celle-ci. Parce que malheureusement, celle-ci est un peu loin. Il faudrait éventuellement que j'utilise le déplacement rapide là pour aller là. Oh, déjà au moins aller récupérer celle-là et prendre le point d'ops, le point de synchro, et puis éventuellement on ira faire quand même la... Si vous avez des informations, on ira quand même faire cette quête annexe que j'ai, qui est très loin. Qui est très très loin, et puis on verra bien. On verra bien. Ah oui, c'est vrai qu'en y allant, je vais vérifier un petit quelque chose après. Bon, je ferai ça à un moment donné où il y aura un chargement ou autre. Je vérifierai ça sur le PC. Tac, 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 tac. Oh, déjà deux spectateurs qui sont arrivés très vite. Bonjour à vous. Ce qui lui est arrivé est une honte. Bonjour à vous. Il y a une quête qui est juste là. Ah oui, là, bah, on va la prendre aussi, hein, ça coûte... ça paye pas de pain. Alors, dis-moi. Qui es-tu? L'un des Philakès d'Odoros? Je ne suis pas un ami d'Odoros. Non, il pas du tout. Il n'a apporté que le malheur à mon mari Aristo. Le grand poète et philosophe. En prison, En prison pour avoir écrit des choses magnifiques. Les mots ça sont devait des pas, ça devait pas être très mon magnifique, alors. Il a pour écrire son chef-d'œuvre. Des années. Ensuite... Odoros l'a plagié et s'est approprié le génie de mon amour. D'accord, et donc? Et Aristo lui a fait un procès. Des mois. Je le sors, je le fais sortir, c'est ça? Pour finir, mon mari a été battu, ridiculisé, jeté en cage. Je vais le sortir, calme-toi. Justice à Alexandrie. Oh, et là, j'ai beaucoup de Grecs ou de Romains à Alexandrie, quand même. Hein. Mon mari et moi pourrons fuir la vie. Mon cher homme, quand même, qui me dit. Ouais, écoute, on n'est pas... Si on n'a pas encore élevé je connais un bateau qui l'emmènera. Les moutons ensemble, quand même. Je vais t'y attendre.
Ok. Oui, je te ramènerai ton aristo, à l'occasion. Quand j'aurai le temps. Hein, si j'ai pas le temps, eh ben tant pis. Alors, nouveau lieu découvert. Ouais, monte un peu, c'est nous, s'il te plaît. Non, bah je sais pas, ça doit être ça. Ah! Le v'là. Ok. Merci, c'est nous. Merci, c'est nous, merci, c'est nous. Oula, le chargement, il est un peu violent, là. Wouah! Il était même assez violent. Y a pas une porte d'entrée dans le coin? Oui. Bon, bah, on va monter. On va monter, hein, sinon, si c'est que ça, hein. Hop! Ça a pas l'air d'être un lieu interdit. Tant mieux. Tac, 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 tac. Le cas n'est plus. Si peu d'Égyptiens viennent au temple. Où sont mes sénis et nous? Ok. Sarapis Unitis. Grand Sarapis. Es-tu aussi clément qu'Amon? Osiris et Sarapis. Bienvenue, frère. Merci, prêtre. Cela fait plaisir de voir revenir des Égyptiens. Depuis que mon tambour... Surtout, t'as pas l'air très très égyptien, toi. C'est calme. Mon tambour. Ce silence est impressionnant. Un tanneur a accusé mon tambour. Il What? Lui reproche d'avoir volé une peau de lion nubien dans les cuves de teinture. Uh-huh. Le pauvre avait pourtant travaillé pour lui. Une tragédie. Ah oui, d'accord, ok. C'est donc peut-être des mecs homme. Qui frappent sur Laisse des tambours sont de ça, tout simplement appelés tambours. C'est leur job. Bah, pourquoi pas, hein. Mais Jai, mon tambour est à l'arsenal de Kibotos, près de la bibliothèque. Ok, donc il doit que pas être très loin. T'accompagne. Effectivement, il est pas très loin. Oh, que Sarapis t'accompagne. Oh, j'adore, j'adore, j'adore. Vraiment, j'adore, avec tous ces... Tous ces mentions de dieux égyptiens, moi qui adorais, qui a toujours adoré la période d'Égypte ancienne. Alors, le regard de pierre, dans la partie sud du lac Maréotis émerge une île couverte de ruines. Un homme regarde dans ma direction à toute heure du jour et de la nuit. Comme cela me gêne, je me cache derrière une colonne qui lui barre la vue. D'accord. Je pense hein, quand on aura pas mal de... Quand on aura pas mal d'énigmes de parchemin, on ira en rechercher. Lors d'un live spécial énigme. Hop! Tac, 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 tac. Allez, c'est par là que ça se... Ah non! J'avais autre chose à faire ici avant. Avant de me barrer. Le point d'ops! J'allais oublier le point d'observation. Ah là là. Eh oui, histoire de éventuellement pouvoir se TP et gagner un peu de temps. Il faut bien prendre les points d'observation et se synchroniser. Ok, synchronisation. Yeah. Synchronisation effectuée. La perception de Senou est accrue. Plouf. Ok. Maintenez A pour nager vers le haut. Maintenez B pour nager vers le bas. Ça marche. Ah, j'ai l'impression que pour ce qui est du RAM, j'ai bien réglé le débit. Ça rame moins. Parfait.
Hop. Lexon. Non, 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 descends, Bayek, descends. Voilà, t'es arrivé où, en bas, là, descends. Ok. Allez, c'est pas loin, c'est pas loin. Donc, trouver et libérer le tambour. Alors, c'est nous. Dis-moi, où est le tambour? Prends un peu de hauteur. Oui, oui, je suis pas loin là. Ok, cible localisée. Ah bah oui, la cage, tout simplement. Bah oui, la cage. Logique. Ok, il y a du monde qui garde. Il devrait y avoir un... Voilà, trésor. Trésor dans le coin. Un autre capitaine. Ah, il y a deux capitaines. Ça va, ils s'en font pas. Ok, ça c'est des civils. Là, il y a encore un mec. Non, ça sert à rien à voir. Ça, c'est une autre quête. Hop, 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 hop. Bah, je pense que j'ai vu la totalité. Ah, c'est sur plusieurs niveaux. Il est sur un nombre de niveaux assez intéressant, le fort. Y'a personne là, c'est sûr, ouais. Ah, c'est intéressant, c'est pas mal, c'est pas mal. Ok. Pas mal, une architecture sympathique. Je trouve ça dommage par contre, le temps de chargement là pour revenir à Bayek. Peut-être un petit peu dommage quand même. Bien. Alors. Tac. Arsenal de Kibotos. Ok, alors. La partie là-bas, elle est plus haute. Donc on va... On va chercher à aller d'abord à la partie plus haute. Alors, il y a deux trésors à piller et il y a deux capitaines à buter. Ce qui pourrait être pas mal, c'est que lui, il tourne la tête. Pour que je puisse facilement aller la voir, mais... Il n'a pas l'air très décidé et je pense... Pas... Ah oh, si, je le one-shot. Oh, waouh. Ah d'accord, ok. C'est... Il est surabusé, Stark. Ok. Ah, et lui, par contre, je le one-shot pas. Alors qu'il est... Plus bas level... Ça, je suis pas sûr de comprendre la logique d'une telle chose. Bon, les deux là ont pas l'air de vouloir bouger plus que ça. Alors, on va aller se le faire en scred. Puisque les deux là-bas restent là. Oui, c'est ce que je veux. C'est ça. Il bouge pas. Ah, punaise, t'as bougé. L'autre a bougé. Alors, on va attendre que je sois sûr qu'il me voit pas quand je vais l'assassiner, parce que sinon, ça serait ballot, hein. Non, me dis pas que le capitaine, il va se bouger de là-bas. Non, j'ai pas l'impression. Et... Ça... Ah non, non, reste là. Reste là, mon gars. T'assassines là, merci. Ouah, mais il est pas tout seul là-bas. Eh, c'est nous.
T'as pas bien fait ton travail, ma belle. Il a du monde avec lui, là. Bon, bah on va aller se faire... Ah, y a un type qui arrive. Sauf que je sais pas si... Là, siffler, ça risque pas d'attirer les mecs derrière. Donc, ça m'arrange pas. Non, j'espère qu'il est pas en train d'appeler du monde. Ah, mais là, je vais me faire repérer par l'autre. Si j'arrive... Ok, donc lui se barre là-bas tranquille, lui s'est barré là-bas tranquille. Ah, le capitaine est en train d'arriver. Ah, peut-être... Je vais peut-être avoir moyen de le buter. Oh! Alors, il me repère, j'ai envie de dire. C'est pas normal. Wow. J'ai eu de la chance, je crois. Ah, ils sont partis les autres qui étaient là? Ok, donc ils étaient là de façon temporaire. Ok, ça me va. Ça me va, ça me va. Zbe! Tac! Ça te dérange pas, hein? Non, très bien. Alors, ah, c'est vrai que je pourrais piéger le feu, mais je m'en fous un peu. Pourquoi lui, je l'ai pas dans mes mecs repérés, là? Alors, on va aller... Tac, tu es celui-là. Boum. Parfaite infiltration. On va récupérer des flèches. Il bug lui, non? Ça a un peu alerté tout le monde, mais ils savent pas où je suis. Normalement. Donc c'est pas bien grave. Mais là, si je lance un assassinat sur celui-là, je me fais voir par les autres. Non, ça va pas le faire. What? D'où tu viens là? C'est quoi cette perception que le mec il a? En fait, ils viennent tous me chercher. Non mais ça y est, vous savez pas où je suis. Vous venez plus me chercher, là. Vous m'avez perdu de vue. Vous lâchez l'affaire. Oui, voilà. Vous lâchez l'affaire, c'est bien. Ok. On va récupérer l'argent qu'il avait là.
Et là, si je suis un gros fou... Hein, ça marche même pas? Ah d'accord, ok, au bout d'un moment, je crois que les mecs, quand ils ont été repérés depuis trop longtemps par Senou, au bout d'un moment, ils le sont plus. Ouais, c'est comme le mec sur son cheval, là, qui bug encore, donc, en fait. D'accord, et là, ça n'a pas été repéré. Ah, lui, il va remonter, donc lui, je vais pouvoir me le refaire. Ah, je suis en train de me dire, il y avait un tas de foin ici aussi. J'aurais peut-être pu sauter dans le tas de foin. Ouais, ou sinon, on va la faire comme ça, hein, tout simplement. Ah! Non! Je voulais pas faire ça comme ça. Je voulais aller là-dessus, voilà. Non, vous avez rien vu, on est d'accord. On est parfaitement d'accord. Ah, il y a les deux mecs là-bas. Ça m'arrange pas qu'ils soient ensemble. Par contre, le capitaine va être de nouveau tout seul, visiblement. Ah, mais si, ils se séparent, les deux, là. Bien. Je vais pouvoir me faire l'un puis l'autre. Ouais, au pire, pas grave. Que je... Ah, je peux pas lui sauter dessus d'ici, ça c'est bien dommage. Hop! Swick! Ok. Bon, je peux pas récupérer de flèche apparemment. Swick! Ok, le seul qui est encore en mode « Oh là là, il y a un type, machin et tout, il doit nous tuer. » Boum! Voilà. Tu vas arrêter de me saouler comme ça. Ah, punaise, le capitaine, il s'est barré de son poste. Mais c'est sérieux? Genre, ça fait du bruit quand je tire avec cet arc-là? C'est ça? Parce que, franchement, je vois pas pourquoi il se déplace comme ça. C'est censé être un meurtre discret, c'est pas bruyant. Le mec, il se prend une flèche en pleine tête. Ok. Point repéré, cher ami. Qu'est-ce que tu as? Ouh, un très bon sceptre. Ordre 251 au Phylactai. Nous recherchons une femme armée et dangereuse, soupçonnée du meurtre du noble Actéon. Prenez quelques hommes et cherchez-la dans le quartier égyptien. C'est dans le quartier égyptien, il précise. Donc Alexandrie n'est pas totalement égyptienne. C'est probablement là qu'elle se cache. Si elle résiste... N'hésitez pas à la tuer. Ah, mais d'accord, ok, donc je peux pas voir plus que ça. Ok, bon, il y a un des trésors qui est là. Ouh, du graphite! Est-ce que je peux éventuellement réussir à aller le tuer en secrète, celui-là? Si je passe par là, ça m'étonnerait... Ouais, à mon avis, je me fais repérer si je passe par là. On va essayer de rester en scred. Jusqu'au bout. Boum! Ça n'a pas fait réagir le mec. Donc il a un de ses potes qui vient de se faire buter et cette fois-ci, il réagit pas. Ok.
Bon, après, hein, remarquez, je peux aller. Oui, le grand. Je peux libérer le mec. Il s'est soulevé des poids comme. Oui, comme moi. Voilà, déverrouiller la porte. Mon pied est blessé. Je suis ici à la demande du prêtre, Tambour. Alors, sors-moi. Je te trouve bien joyeux. Oui, je vais te sortir de là. Tu ne peux plus marcher. Tu veux rire ? Je vais te sortir de là. Tac, tac. Mon pied va coûter cher à ce tanneur. Attends, what ? Ah, c'est un type. C'est pas un soldat. Si je ne pouvais rien prouver, tu aurais raison. Mais c'est là que tu interviens, mon ami. C'est là que j'interviens, ouais. Oh, mais dis donc, c'est trop aimable. Oh. Il y a combien de chevaux ? Ah, faut que j'aille loin en même temps ? Ah non, faut juste quitter la zone interdite. Bah, c'est rien du tout, ça. C'est juste quitter la zone. Hop. À quel moment ? Quitter le conflit. Mais à quel moment vous vous dites celui-là il est louche Putain. Ah ! J'avais presque eu sa tête. Bon. Y a un... Ah, mais je l'ai pas déverrouillé, je crois, le truc. Je vais me faire buter! Alors que j'avais tout réussi! C'est une blague! J'avais parfaitement réussi mon infiltration! J'étais ressorti et tout! Et là, je me fais buter par... trois clampins qui passent à côté du putain de fort en cheval! C'est dégueulasse! C'est dégueulasse! Ah, et j'espère qu'elle va pas être trop longue. Ok. Oh non! 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 Mais non! Oh non! Il faut que je recommence. Faut que je retourne le chercher alors que j'avais réussi. Mais non! Bon, il y a l'air de plus y avoir de capitaine quand même. Je sais pas si je dois prendre ça. Si je dois bien prendre ça. Non mais regarde-moi ça, c'est quoi ces clampins qui sont à cheval là? D'où ils sortent? À cause de ces glandus là, je me suis fait repérer. Voilà. Eh, non mais sérieusement. Il n'y avait pas autant de monde hein, quand je suis arrivé. Hein. Ils étaient pas aussi nombreux. Hein. Je suis désolé. Hein. C'est pas normal. Bon, normalement, ils vont rebouger, de toute façon, ceux-là. Ah, lui, il me tourne le dos. Quelle grave erreur. Mais non! Je suis tombé juste à côté! Mais je suis tombé juste à côté! Mais c'est pas possible! Recharger. Là, je suis désolé, mais je recharge. Je vise... le rempart, et je tombe juste à côté du rempart. Mais plus failé, plus fail. Là, franchement, faut le faire. Faut le faire. Et
d'habitude, sur les Assassin's Creed, à un truc aussi proche, ils sautent sur le truc le plus proche, au lieu de se laisser tomber en bas et de se casser les deux jambes. Ok. Oh la vache, mais non, ils m'ont pas mis là! Bon, là, il y a les mecs à cheval qui repartent. Qui devraient donc normalement rien me dire. Je ne suis pas encore dans une zone interdite. Ta 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 ta. Ok. Les mecs à cheval sont passés. Ah mais je voulais pas finir carrément dans l'eau. Attendez mais what? Les mecs qui grimpent à des... Mais regardez-moi ça! Il est où? À quel moment? On a des mecs qui grimpent comme ça? Oh non, mais non, mais... Boum! Toi, tu te tais. Ok, c'est bon. Cette fois-ci, on va y arriver. Boum! Toi, zou, au revoir. Toi, au revoir. Alors, vérifions quand même, des fois qu'il n'y en ait pas... 2, 3 qui se cachent autre part. Bon, j'ai pas l'impression. Mais d'où tu me repères? D'où tu me repères? D'où tu m'as repéré? Ok, c'est n'importe quoi. Oh, pourquoi il remonte encore là-dessus? Ok, lui, hop, on l'assassine. On récupère ça. Et on se bouge vite de là parce qu'il y en a un qui arrive. Alors qu'il aurait jamais dû arriver. Derrière moi, il n'y a personne. Ok, ok, ok. Ok, c'est bon. Bon, on y arrive. Ouais, en tout cas, on va finir par y arriver. Là, le mec, il est en train de se dire « Oulala, il y a des morts partout !» Là, il va sortir de là, et il va les rejoindre. Mais non! Mais non! Mais non! Meurs! Oh, j'ai pas été repéré par quelqu'un d'autre, là? Incroyable. À
assassiné. Zou. Voilà. Ok, bon. Ça passe. Auprès d'un, la discrétion aura pas été terrible. Mais c'est passé quand même. Alors, il y a du monde encore là-bas, mais on s'en fout. C'est surtout les deux qui sont là qui m'intéressent. Les deux sont en train de pisser. Mais il me fait quoi? Mais il me fait quoi? Je demande un saut de la foi. Toi? Oui. Ouais, oh. Bon, allez hop. Tu as l'air d'un homme qui s'est soulevé des poids comme... Oui, comme moi. Ouais, tais-toi. Mais non. Punaise. Va falloir encore que je m'en refarcisse 3, à moins qu'il se barre le temps que j'arrive. Et toi, tu vas où? Tu sors aussi, d'accord. Donc c'est en mode, ils veulent vraiment m'empêcher de sortir que dès que je peux libérer le mec, quoi. Hop, vagabond. Je vois pas trop par quel autre endroit je peux sortir à part par là, en fait. Faut dire ce qu'il y a. Par là-bas... Il n'y a pas beaucoup d'autres endroits où je peux sortir parce que je pense. Je te trouve bien joyeux. Je pense pas que je puisse grimper grand chose. Tu veux rire? C'est le plus beau jour de ma vie. Mon pied va coûter cher. Je pense pas que je puisse grimper grand chose. La santé vaut sûrement plus que ça. Si je ne pouvais rien prouver, tu aurais raison. Mais c'est là que tu interviens. C'est là que j'interviens. Oui, ok, je m'en fous. Parce que là, je parie que je peux pas grimper. On est d'accord, je ne peux rien escalader avec lui sur le dos. En même temps, c'est logique. Donc, il faut que je quitte la zone. Sauf qu'il y a... 5 satanés types à l'entrée. Et il n'y en a pas un qui se bouge. Ah, quoique... Ah, si, ils repartent. Bien, très bien. Donc, je devrais avoir moyen... de passer. S'ils partent bien. Ils partent bien. Alléluia. Par contre, il va où, lui? Ah. Je te dépose là 2 secondes, hein. Tu m'en veux pas? Oui, je sais qu'il est là. Oh non, c'est sérieux. Il va rester comme ça? À part en l'attirant en sifflant, je vois pas. Ok, il vient, c'est assez proche. Boum! Zac! Ok, je peux le récupérer? Comment je fais pour le récupérer? Ah, portée, ok, d'accord. La violence! La violence avec laquelle on le ressort. Ok, bon, il en reste un. Et il est à l'extérieur. Alors, cher ami, je vais te déposer là 2 secondes. Hop, si tu veux bien m'excuser. Il n'y a pas l'air d'y avoir de mec à cheval qui arrive. Il était caché, le mec, hein, dans les fougères, hein. On sait pas trop ce qu'il foutait là. Putain, ils m'ont fait peur pendant 2 secondes. Bon, peu importe. On va essayer de se dépêcher. Oui, Y, portée. Allez, viens là, mon gars. Ok. Vite quitter la zone. Ok, on est considéré comme étant sorti. Allez, tiens, je vais te poser là. Et parlons. Que puis-je faire? Voilà, toi. Merci. Oh là là, le temps que j'ai perdu. Rapportez cette peau et lavez mon honneur.
Ok, d'accord. Il a volé cette peau de lion ? J'ai quitté des yeux cette peau de lion un instant, et un voleur s'en est emparé et a filé. Je l'ai perdu dans la foule. C'est ça m'avance. C'est dans le quartier égyptien. Naturellement, les gardes m'ont accusé. C'est dur d'être égyptien, Alexandrie. Je vais aller les trouver. Vas-y, va chercher cette peau. Ça va aller. Oui. Il suffit que je repose ma jambe. Ensuite, bah, j'irai voir le prêtre. Allez, va laver mon honneur. Peut-être de bouger. Je rêve ou il est déjà de nouveau plein le fort. Non, je rêve. Ok. Allez, c'est parti. On va y retrouver la peau. Je pensais pas prendre autant de temps sur une quête annexe. C'est... Waouh. Il y a eu des petits côtés où j'ai pas été très doué. Il y a eu des petits côtés où j'ai été étonné qu'il y ait moins d'assistance en fait qu'avant. Finalement. Sur le parcours de... Sur le parcours que peut faire le personnage dans les Assassin's Creed précédents. C'était quand même en général assez guidé. Donc le fait de faire un saut qui redévie pas un minimum. Oula, mais c'est qu'il y a du monde. Bon bah là je crois que ça va être de la baston, t'as pas le choix. Les bandits sont nombreux dans le quartier égyptien. J'aime bien la précision. J'ai l'impression que par contre les quêtes n'ont plus d'objectifs bonus. Comme dans les précédents Assassin's Creed aussi. C'est dommage, moi j'aimais bien les faire en général. Ah, oh, je vais me casser les deux jambes. Aïe. Ah bah voilà, on peut marcher sur ces fameuses cordes. Je pensais que c'était pas faisable. Tanner a menti à propos de cette peau. Elle ne vaut presque rien. Tu connais les Grecs. Ce n'est pas difficile de le voler. Il passe sa vie à... Oh, assassinat. Bonjour, messieurs. Maintenant, j'ai plus qu'à retourner voir le prêtre. Ok, il est mort tout seul. Boum, boum. Tu vas mou... Non ? T'étais censé, normalement. Tac ! Allez ! Dommage, l'exécution, là, elle était pas très, très bien visible. C'est la peau ? Oh, pauvre bête. Bleu, ce n'est pas une couleur pour un lion. Ah oui, la peau, c'est bien ce qu'il me semblait avoir vu, donc la peau était bleue. Eh bah oui, bien sûr. C'est parfaitement normal, effectivement. Une peau de lion bleu. Tout va bien. Ok, allez, on va aller rendre ça au prêtre. Et on en aura fini avec cette quête. Bon, on va passer par là, hein, ça ira plus vite. Hein. Tac. Allez, Bayek, ne faiblis pas, mon coco. Le prêtre est pas loin. Ah. Ah, tu veux pas monter par là? Ah, non, par là, tu veux pas. D'accord, ok. C'est bien dommage. Ça m'aurait bien arrangé. Ah, je vais pouvoir passer par là. Voilà. Monte. Voilà. Et on y est presque. Le prêtre est là-dedans. Tu vois. C'était pas compliqué. Voilà. La vache. La...
Merci. Cet homme est un voleur. Assez. Assez. Non, cet homme n'est pas un voleur. On a volé ma peau. Elle est là. Si tu veux la récupérer, tu paieras pour ses souffrances. Et tu te rachèteras à genoux devant Sarapis. What? C'est ça ta réponse, prêtre? L'extorsion? Bien. Je crains que le chemin soit long pour Sarapis et moi. Et moi. Que ton voyage soit béni, frère. Oh, mais il a une autre quête. Hé, prêtre! Je suis prêt à servir Sarapis. Voilà, hein. Moi, je sers toute divinité qui veut. Hein. Des gardes ont pris de la nourriture, prétendument au nom de Sarapis. Prétendument au nom de Sarapis. Ils prélèvent un impôt, mais le détournent entièrement à leur profit. Ouh, les villes! Et le partage avec leur filatitaille. Le peuple est affamé. Et j'ai peur que ça ne s'aggrave. Eh ben, ça ne s'aggravera pas. Prêtre. Je vais m'occuper de ces vivres. J'attendrai parmi la population sur les quais. Ok. Ça marche. Oh, bah c'est le niveau 10. C'est magnifique. Faudra pas que j'oublie celle-là. Qui est de niveau 11. Je vais pouvoir aller faire Genadios. Ok. Faudra pas que j'oublie celle-ci aussi. On va essayer de faire tout ça avant d'arrêter, hein. À condition que ça se passe plus vite que la mission annexe précédente que je viens juste de faire. Voilà, ça c'est toujours trop haut level pour le moment, ça aussi. Ok. Bon, parfait. Eh ben, allons là-bas. Ah oui, et puis il y a toujours le marchand ambulant. Je me suis aperçu que j'avais des trucs à vendre au marchand. Tac. Oh non, mais de cette hauteur-là, ça lui brise les jambes, c'est une blague. Ok. Voilà, ça c'est un autre joueur qui serait mort ici. C'est bien, donc c'est Bayek, mais ils sont arrangés pour faire en sorte que ça a pas trop l'air de Bayek. Alors, c'est nous, c'est... Oh, si, par là. Ici. Et donc ça a l'air d'être ce garde en particulier, c'est ça? Ah oui, non, il faut voler le chariot, quitter le marché, trouver et voler le chariot. Ok. Oui, effectivement, oui, donc c'est normal, c'est le chariot en lui-même, en fait, c'est pas le garde. Oh, bah alors, ce chargement, dis donc. What? Ah oui, d'accord. Super, donc je reviens sur mes pas, en fait. Merci. Donc l'idéal, ça serait que j'arrive à me faire le mec de derrière, puis celui d'encore derrière, et ensuite le chariot. Ok, ils sont juste là. Parfait. Qu'est-ce qu'ils font? Ah, il y a un autre soldat à côté. Il y a deux autres. Il
Ok, toi t'es mort. Tellement relou à viser, le mec sur son cheval. Eh, t'es mort là. Voilà, merci. Ah, mais y a combien de personnes? Cassez-vous! Laissez-moi tranquille! Oh là 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 là. Eh, mais. Oh, et puis ils sont à cheval alors avant qu'ils me lâchent. C'est une dinguerie. C'est bien plus compliqué de se faire des mecs, hein, surtout s'ils sont à cheval là comme ça et tout. Non, c'est pas ça que je voulais faire, Bayek. Bon, j'ai l'impression que j'ai réussi à les lâcher, le chariot il est tout seul. Comment ça se fait? J'en sais rien. Avance! Ils m'attaquent tous! Ah! Ils visent bien en plus! Ces satanés archers! Oh la vache! Ils vont bien me lâcher à un moment donné! Allez, avance le chariot! Ok, normalement c'est bon, il me repère plus. Un Medja est censé protéger la population. Oui, bah écoute, faut qu'il s'écarte aussi là! Descendez pour réussir l'objectif. Je suis descendu. Parlez au prêtre. Ah mais il est juste là. Le prêtre est là. Comme tu l'as demandé. Les gardes du pharaon sont ravis de t'en faire don. Le respect est mort. Sa rapice servira la population aujourd'hui. Puisse-t-il te guider sur ta route, prêtre? Toi aussi, Medjay. Ok, drôle de dîme. Well, 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 on va faire ça. On va faire ça, la plume s'envole. Alors, où est-ce qu'il faut aller? Il faut aller tout là-bas. Alors, on va prendre le petit déplacement rapide pour gagner un chouille de temps. Sauf si le chargement est hyper long. Ah oui, c'est vrai, fallait que j'aille rendre visite au marchand ambulant aussi. Bon, pire, je le ferai peut-être même hors live. C'est pas... Juste histoire d'aller voir le marchand ambulant pour lui vendre des trucs, c'est pas... Enfin d'ailleurs non, les trucs je crois que je peux les vendre à n'importe qui. À n'importe quel marchand, pas uniquement à celui-ci. Ok, par là-bas, c'est parti. Parfait, parfait. On y va, tranquillement. Ouais, j'ai bien l'impression que c'est quand même plus fluide depuis que... Oh, j'aurais pu assassiner un type, tiens. On est, ça aurait pas été une super bonne idée. Ouais, je trouve ça plus fluide depuis que j'ai fait cette petite modification. Petite modification que j'ai faite. Globalement, ça m'a l'air plus fluide. Ok. Oh, ça doit être encore en charrette ou un truc comme ça. J'aime pas ça. Oula, 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 oula. Oh, le débit.
Oh, le débit qui a... Waouh! Chuté! Gravement. Moi qui disais c'est bon. Ok, ça va. Ok, ça... Ça va, ça passe. J'ai eu peur, j'ai vu mon débit du live descendre. Je me suis posé des questions. Normalement, c'est bon. Qui es-tu? Un autre sycophante d'Odoros qui vient me narguer? Va-t'en, laisse-moi mes malheurs. Je suis un ami de Phanos, un protecteur. Ah! Bah oui, mais non, mais j'avais la possibilité de le faire là! Déverrouiller la porte! Ok, je crois que en fait je vais pas trop avoir. Frappe-le encore! Il l'a mérité! Vas-y, frappe ce. What? Mais c'est complètement. Méfie-toi, ses cheveux! Mais! Dépoux! Mais what? Mais what? Alors déjà, la porte s'est ouverte, je ne sais pas comment. Le mec me tire dessus et arrive toujours à conduire ses chevaux. C'est la normalité la plus absolue. Ok. Mais foutez-moi la paix un peu. Ils sont en train de tuer tout le monde au passage. Eh hey, mais viens là. Mais what? Mais c'est quoi ce délire? Punaise. Quasiment impossible à viser. Allez, si j'arrive à monter dedans, je peux me barrer avec lui. Mais pourquoi tu montes dessus? Ah, Bayek. Mais what? Mais please. Genre, j'ai réussi à le frapper. Je sais même pas comment. Je sais pas comment j'ai réussi à frapper ce mec. Mes coups pour moi sont passés à côté. Mais c'est du... Il a encore été codé avec les pieds, cet Assassin's Creed. C'est pas possible. Je peux pas monter. Je peux pas monter sur cette putain de charrette. Et cette putain de charrette ne s'arrête pas. Je suis censé faire comment? À part me prendre des flèches perdues dans tous les sens. Je suis censé faire comment, bordel de merde? Je vais me faire niquer. Je vais me faire tuer. Je vais me faire tuer par une putain de flèche qui arrivera de je ne sais où. Mais what? Il a fait demi-tour. J'ai même pas vu. Mais stop cet abus. Mais je... Ah! Mais voilà, je vais me faire buter, je vais me faire buter, je vais me faire buter! Mais stop là! Mais voilà, je me suis fait buter! Mais c'est quoi ce bordel de merde? J'aurais dû pouvoir ouvrir cette putain de porte et remonter dedans une fois qu'elle était ouverte, mais non! Mais non! Et le mec m'a repéré d'emblée une fois que je suis monté sur la cage, bien sûr! Bien sûr, bien sûr! Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Là, et franchement, les hop, 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 aller-retour de la charrette, c'est insupportable. Comment ils ont codé les réactions des péons, là? Non, mais... Oh là là, ils sont suivis par combien? Il y en a combien qui les suivent? Assassiné, allez, hop. Un de moins. On va essayer de se la faire comme ça. Donc là, maintenant, il y a quand même trois types qui suivent. C'est beau. Salut, Malgad. Ils pouvaient pas me les indiquer avant, les trois chevaux qui suivaient. Allez. Oui, assassiné. Hop. Voilà. Et de deux. What? Pourquoi ils sont passés devant d'un coup? Pourquoi ils sont... What? Ils sont où les deux autres? Ils sont où les deux cavaliers qu'il y avait? Personne ne veut m'aider. Mais... Ben si, je veux t'aider justement. Mais je me retrouve coincé. Yosh, Malgad. Si, je veux aider, mais je me retrouve coincé comme un truc débile. Ça le fait pas? Pourquoi il fait demi-tour? Pourquoi il fait demi-tour? Qui es-tu? Un autre sycophante de... Voilà. Ok, donc super. Attends, laisse-moi mes malheurs.
Je suis un ami Non mais s'il te plaît. Et voilà, ça recommence le gros bordel. Ah, ça m'énerve. Frappe celui-là après. Ouais bah Zoro, et bah Zoro là il commence à en avoir marre. Putain. Le truc qui a aucune fucking logique. Et vas-y, je vais me faire attaquer par tous les mecs qui passent. Allez. Hop. Hop. Et je vais me faire buter. Mais c'est quoi cette logique à la mort moelle nœud de réaction des mecs. Ok, putain, il est où le chariot de merde là. Putain. Les mecs arrivent encore à me tirer dessus quand même, hein. C'est du turfu, hein. What? Mais ils arrivent encore à me tirer dessus à l'arc. C'est plus des arcs qu'ils ont les mecs, c'est des fusils. C'est des snipers. Je vais me casser les jambes. Allez! J'adore! Allez, on recommence. On va encore courir après une charrette pour encore se faire repérer. Je kiffe. Putain. Bien sûr, hein, il faut qu'il soit à 10 km, hein, le bordel. Ok, il a... Putain. Eh mais tout à l'heure, j'étais en train de me les faire, les... Qui es-tu? Un autre psychophone. What? Il y avait 3 cavaliers tout à l'heure. Ils sont 10. Quoi? Ouais, non. Voilà, tu dégages. Ah bah oui, allez, je me fais repérer. Je l'assassine discrètement, mais je me fais repérer. Et je peux plus lui piquer son cheval, hein, bien sûr. Putain. Recharge-moi cette mission à la con. M'énerve. Ils étaient 3. Au début, il y avait le chariot tout seul. Je me fail une première fois, ok. Après, il y avait 4 cavaliers derrière le chariot, et maintenant, il y en a 8. Mais what the fuck? Le putain de délire, quoi. Bon, ils sont combien cette fois? Ils vont être 20? Allez, fais-moi rire. Combien ils sont? 4. Ok. C'est relou que ça charge aussi mal des fois, ça. Ok, ils sont 4. J'arrive. Je prends celui-là, je l'assassine. Ok, c'est bon, personne s'en est aperçu, on est d'accord. Ce coup-ci, on va y aller comme ça. Oh, y'a pas moyen. Oh, mais c'est nul. Je peux même pas dire je veux... Je peux même pas dire je veux l'assassiner depuis le cheval, c'est pas possible. C'est complètement nul. Ah, ça saccade, j'ai l'impression. Ah ouais, alors, hop, voilà, il fait demi-tour, on sait pas pourquoi, hein. Il suit sa route et tout d'un coup, demi-tour. Je suis un. Allez, viens, hop. Voilà, toi je te bute. Ah, pourquoi ça lag? Je ne sais pas pourquoi ça lag à nouveau. Ça allait parfaitement bien jusqu'à maintenant. Oh, non, 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 non. Ok, on est d'accord.
C'est bon, ils m'ont pas repéré. Pourquoi il se barre? Je sais pas. C'est là tout d'un coup, il s'est barré. C'est. Bon, alors, l'idée, ça serait de réussir à monter et de se débarrasser du conducteur sans qu'il me repère. Frappe-le encore, il l'a mérité. Mais pourquoi? 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 Donc tu me repères? C'est pas normal! Allez, on se casse. On se casse, on se casse, on se casse. What? What? Ok. Aucune fucking logique dans ce qui se passe. Quoi? Mais quoi? Mais quoi? Y'a aucune logique. Je monte à peine sur le truc. Boum! Allez, je suis découvert. Le mec, il m'a pas vu d'où ou de quoi. Ok, s'il continue à me tirer à l'arc dessus, les chevaux, ils avancent. Oui, tout va bien. J'arrive à le buter en étant, en tenant sur une roue qui roule. On est quand même dans du très fort. Et alors que je commence à diriger la putain de calèche, un cheval se fait buter. Va savoir comment. Et t'es foutu. T'as 18 mecs sur toi. Et démerde-toi, Jackie. Putain de merde. Alors, il y a combien de mecs? Il y en a encore 4. Allez, je vais encore pouvoir m'amuser à me faire les 4. Voilà, merci. Hop, il va encore falloir que je les bute un par un. Et je vais encore me faire repérer comme une connerie. Pourquoi ils se barrent? Pourquoi ils se barrent, les 4? Pourquoi lui, il repart à pied? Non mais s'il vous plaît, une logique! On a une logique dans tout ce qui se déroule là? Ou alors c'est juste la mission la plus buggée du jeu sur laquelle je suis tombé? Ok, il bouge même plus. Si, il bouge. Je suis tombé sur la mission la plus buggée as fuck du jeu ou quoi? Ça n'a aucune fucking logique, hein, tout ce qui se passe. Là, il va faire demi-tour, je parie. Allez! Il a fait demi-tour! Pourquoi? On sait pas! Je suis un ami de Phanos. Mais voilà! Mais quoi? Je ne peux pas le tuer! Et maintenant, attention, un cavalier revient! Ah ouais, je crois que ça devait être un putain de bon stagiaire. Et là, hop, j'ai deux mecs dans le dos. Allez, oh, encore d'autres. Allez, donnez-en-moi plus. Et j'arrivais à rattraper la charrette tout à l'heure. Là, je n'y arrive pas. Hein? Sinon, c'est pas drôle. La charrette se met à aller plus vite. Bien sûr, hein, c'est normal. Voilà, et lui aussi, il me tire dessus. Et voilà, et je me prends des flèches de partout. Et allez vous faire foutre. Et pourquoi tu fais demi-tour? Non mais sérieux. Ses cheveux, il a des poux, des poux. Aucune fucking logique. Voilà, j'arrive à taper un mec en tapant la cage. Non mais... Et voilà, et je vais encore me faire descendre avec tous ces putains d'archers. Ils ont tous des arcs. Tu pourrais pas tomber sur des mecs où certains ils ont pas d'arc. Non, il faut qu'ils aient tous des arcs. Et voilà, il fait encore demi-tour. C'est... Oh non, sérieux. Et voilà! Allez! Je me suis encore fait descendre! Non, mais c'est pas. Je vais y passer combien de temps sur cette putain de mission de merde? Je vais y passer 3 heures? Sérieux? Le truc n'a aucune fucking logique!
Non mais... Non mais c'est pas... Non mais regardez-moi ça, quoi. Qui es-tu? Un autre sycophante d'Odoros qui vient me narguer? Mais what? Mais je me fais repérer alors que je suis en putain de discrétion de merde! Synchronisation! Putain! Mais j'en reviens pas! Mais c'est quoi cette mission? C'est quoi cette mission? Invraisemblable! Putain, ils étaient pas censés avoir fait des progrès Ubisoft sur Assassin's Creed, avoir attendu plus d'un an avant de nous en ressortir un? Déjà, je me suis tapé un bug, je crois au live précédent, je me suis retrouvé coincé dans les murs d'une maison, please. Coincé dans les murs d'une maison, j'ai glitché dans les murs d'une maison. Et là, je ne peux pas sortir un putain de... Un autre sycophante d'Odoros. De mec, quoi. Je peux pas récupérer une putain de calèche pour sauver un mec. Non, c'est pas faisable. Et là, elle va faire demi-tour au bout de la rue. Comme d'habitude. Et attention. Je suis un ami de Phanos, un protecteur. Oh! Ah! Demi-tour! Hey, aucune logique! Mais on fait demi-tour! Ouais, j'ai l'impression que même Skyrim est mieux codé que ce jeu, quoi. C'est rageant quand même, quoi. Putain, ils sont censés avoir fait des progrès, quoi. Mon Dieu. Allez, il m'en reste encore un à assassiner, là. Et après, il n'y aura plus que le type de la calèche. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Oh là là, incroyable! Il ne reste plus que la calèche, là où je me suis toujours fait repérer. Ils viennent de rouler sur un gamin, hein, on est d'accord. Faut que j'arrive à monter dessus et à être discret après. Pourquoi? Pourquoi je peux pas l'assassiner? Je ne peux pas l'assassiner! Bordel! Attention! Méfie-toi, ses cheveux! Pour quelle raison? Je ne peux pas l'assassiner! Pour quelle fucking raison? Eh bah oui, tiens, allez, tous les mecs qu'on va croiser maintenant, ils vont m'attaquer. Bien sûr, hein, sinon c'est pas drôle. J'ai eu j'ai carrément des frises dans le jeu maintenant, c'est collector. Mais c'est collector.
Et là, ils vont me dire, ah, mais Jay, il est pas censé assassiner des mecs. Ah! Oh la vache! Oh, rentre dedans, voilà, porte-le. Tu es encore plus valeureux que le grand Achille. Et on se casse. Tu m'as épargné l'humiliation de ma rechée quotidienne. Oh. Allons-nous-en, vite. C'est Vlacos. Alléluia. Je t'en prie. Ta femme m'a dit de te faire quitter Alexandrie. Ma femme? Ah, la chère âme. Oui, il y a un bateau au port. Emmène-moi là-bas. Eudoros, quel homme méprisable. Il ne m'a jamais pardonné d'avoir écrit un meilleur livre que lui. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, j'ai cru que j'y arriverais jamais. En toute modestie. Oh, la vache, quoi. Ça que de Rose. Putain, non, mais... mon livre. Ses écrits sont insipides. Il n'a aucune connaissance du Nil. Il serait incapable de décrire un hippopotame, même s'il en avait un sous le nez. Si ah, mais bah, dis donc, c'est trouvent, charmant, tout ils ça. Ils me tueront à coup sûr. Et ma chère femme, que deviendra-t-elle alors? Elle qui est la lumière de mon existence. Quoiqu'elle a détesté mon livre. Trop de crocodiles, a-t-elle dit. C'est vrai qu'il y en a beaucoup. Mais Eudoros devra répondre de beaucoup de choses. Il le fera. Je vais pas m'amuser à les assassiner, hein. C'est pour me faire redessynchro et... Quand on pense qu'il battait un vieillard. La nouvelle génération de poètes et voilà. A l'air d'être d'une autre trempe. Ils savent prendre des risques. Salut les pour moi. Ok, bon, j'ai l'impression que ça frise encore un petit peu, je ne sais pas pourquoi. Ça allait très bien, jusqu'à encore très récemment. Ça ne frisait pas. Là, ça le fait. En attendant, oui, 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 et oui! Le bateau est prêt! Nous ferons voile dès que tu seras à bord. Bah ça y est, il est à bord, calme-toi. Loué soit la clémence des dieux, nous avons réussi. Allez, parlez à Aristo. Les Philakitai sont sans doute à tes trousses. Allez, fuir. Hop, ma dégage. J'avais un passage pour la Crète. Nous rêvons de nous y installer depuis toujours. Eh bah ça tombe bien, allez en Crète, allez. Puissent les dieux veiller sur votre traversée. À mes yeux, le devoir et l'honneur sont contradictoires. Mais tu incarnes étonnamment les deux. D'accord. Si l'Égypte n'était peuplée que de gens tels que toi, la vie serait divine. Il serait divine, bah oui. Elle y sera, t'inquiète pas. Je vais m'occuper des petits salauds, et puis elle y sera divine. Ok, alors, ça y est. J'ai réussi. Bon, on va aller faire cette quête-là, qui est très loin. Donc on va se TP. J'ai chopé quoi comme équipement? Une masse lourde. Sceptre. Alors on va démonter celui-là parce que j'ai mieux. Lance sans arme. Ok, bon. Tac, arme à distance. Tac, 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 tac. Bon, on va démanteler celui-là. Hop, ok. Ensuite, carte. Tac, 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 tac. Ah oui, Malgat, je suis en train de me dire, t'avais pas vu la taille de la carte complète du jeu, j'avais été choqué. Voilà. Voilà, je trouve que c'est choquant. C'est une taille immense. Si on a vraiment besoin d'aller partout, c'est ouf. En tout cas, je pense qu'il y a... C'est petit. Mais oui, c'est petit. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. Ok. Et même encore là, il y a du chemin à faire. Allez, hop. Et voilà. Allez, c'est parti. Trouver le livre pour sortir au jour volé. C'est parti. Ouais, ils auraient peut-être dû, ouais. Ceux-là, franchement, j'ai pas kiffé cette mission. Heureusement que c'était qu'une mission annexe.
pas une principale, parce que là, sinon, mon gars, c'était une mission principale. Allez. Alors, c'est nous. Oh, ça. Voilà. C'est bien ce que j'étais en train de me dire, ça doit être par là. Hop, il y a un trésor là, il y a encore un bandit là. Non, ça c'est pas des bandits, c'est des petits gars comme ça. Oh, ça va, il n'y a pas grand monde. Ok, un capitaine et un trésor. Non, 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 on m'a pas repéré. Ah bah tiens, faites exprès, il fallait qu'il bouge son fion à ce moment-là. Hein. Allez, retournez à vos occupations, là. Il n'y a qu'une musique avec un rythme accéléré. Je vois pas trop de quoi tu parles. Je me suis pas fait repérer quand même, c'est pas possible. Chut. Non, vous avez rien vu. Putain, ils vont s'amener quand même les deux, quoi. Ok, ça va, c'est bon. Ok. La musique de fond que tu as là, c'est la même que celle de pause, mais accélérée, peut-être. Non, là, je trouve que c'est différent. Puis c'est plus une trop accélérée. Alors... Tac... Ce qui m'ennuie, c'est que l'autre, là, il regarde quand même dans ma direction, quoi. Ah, ça y est. Et maintenant, c'est le chef qui regarde dans ma direction. Ah, quoique, il va peut-être y avoir moyen que je le bute. Oui! Il y a eu moyen que je le bute en étant quand même un chouille repéré. Allez, c'est ça, casse-toi. Tu sais pas d'où c'est venu. Toi non plus. Cassez-vous. Zboum! Tac! Mais non, tu sais pas d'où ça vient. Allez, barre-toi. Voilà. Ta-ta-ta-ta-ta. Paf. Zac. Viens dans le buisson et swings. Oh là là, pas mal. Alors, il en reste deux. Sauf que les deux sont quasiment l'un à côté de l'autre. C'est pas cool, ça. Oh,
Y'en a pas un qui voudrait bien se barrer là? Après ils ont plus que deux en même temps et de niveau assez faible. Je devrais pouvoir me les faire sans trop de difficultés. Allez, on va dire qu'on se la fait vraiment en totale infiltration. Ouais, en plus il a le dos tourné, c'est magnifique. Salut! Oh. Et il est où le trésor aussi? Ah d'accord, il y a peut-être encore des mecs à l'intérieur en fait alors. Si ça se trouve, non? Non, il n'y a personne. Voilà le livre des morts. Hop. PK va être bon. Tac, 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 tac. Ok, bah voilà. Yeah, level up. Mais c'était aussi simple que ça. Pourquoi j'ai l'impression que... Ah non, ramasser une torche, moi je m'en fous de ramasser une torche. Oh well, alors, je crois que je pourrais aller plus vite si je me TP. Oh oui, bien plus vite, je confirme. Ah, et puis il y a le marchand à côté. Parfait, ça. On va se TP là, on va aller voir le vieux qui veut son bouquin, et le marchand. Et comme ça, ce sera bon. Alors, le vioc, il est là. Le vioc, il est là, le vioc, il est là. Tac, 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 tac. Salut l'ami! Ah bah non, c'est plus le vioc, c'est ça. Ton père nous a quittés. Fille. Il s'est éteint, c'était son heure. Oh! Il était trop faible pour attendre ton retour. C'est ballot ça. Être conduit en paix. Il était désespéré à l'idée que son Ka'a ne trouve pas celui de ma mère. Où est son corps? Il n'est pas trop tard. Oh, tu es un bienfait des dieux. Il est en train de recevoir les rites dans le petit temple. Bah, temple, finis ta phrase. Il est en train de recevoir les rites dans le petit temple. Finis ta phrase. Elle a pas fini sa phrase. C'est en mode... non, bah... c'est Osef. Finis ta phrase, bordel. Ah oui, c'est vrai, il donne des quêtes temporaires, lui. Ouais, mais sinon, je voulais lui vendre des trucs, en fait. Voilà. Alors, vendre. C'est pas des armes que je veux lui vendre. C'est pas des ingrédients non plus. Voilà, des babioles. Qui ne me servent strictement à rien. Donc c'est parti, on se fait du fric. Du fric, du fric, du fric. Oh, j'en avais des babioles. Hein. Ça, peut-être que ça peut servir. Ça, par contre... J'ai bien vu que c'est pareil, c'était que pour les vendre. Ah oui, mince, j'aurais pu mettre quantité directement. C'est pas grave. Tac. Acheter, on va regarder. La vache, il vend du graphite, mais ça coûte trop cher. Et un objet mystère. Contient une arme ou un bouclier aléatoire. Et ben, ça coûte super cher aussi. Ok. Allez, le vieil homme, il est en train de se faire préparer par là-bas. Rentrons dans le temple. Et il va être par là, par là, par là, par là. Là! Vieil homme.
ton livre. Puisse-t-il mener à ta femme ? C'est un peu glauque quand même, il est en train de parler à une dépouille. Ok, quête terminée. Parfait. Ah oui, j'ai eu une lame lourde. C'est ballot, celle-ci est plus belle, mais elle fait moins de dégâts. Donc, tac, ça fait des matériaux comme ça. Hop, aptitude. Ah, bah j'ai 2 points, très bien. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Porteur d'a... Ah, nice! Ah, je vais peut-être prendre ça, même s'il n'y a besoin que 1 point, ça me paraît pas mal. Non, je vais prendre ça, et c'est ça que j'aurais dû avoir, je pense, en fait, pour faire cette mission annexe. Ça aurait été beaucoup, beaucoup plus facile. Ça aurait été beaucoup plus facile avec ça. Bref. Inventaire. J'ai trouvé un autre papyrus, mais j'ai dit que je m'occuperais des énigmes quand j'en aurai un peu plus. Pour un live exprès. Ouais, ça me fait gagner un objet mystère, mais en même temps, je crois qu'on sait jamais vraiment où ils sont. C'est loin ou c'est pas loin? Ah, c'est pas la porte à côté. C'est assez loin. Oh, j'en viens! J'en viens! Ah! Je viens de là! Est-ce que vous êtes sérieux? Ouais, bah non, c'est bon, je fais pas cette quête. Hein. J'en viens, quoi. Ok, et eh ben on va aller s'occuper de Genadios, le Philactai. Et le point de TP le plus proche, ici, Alexandrie, tout simplement. Ok. Le royaume ptolémaïque, fondé en 305 avant notre ère, par Ptolémée Ier, sauteur. What? Je peux le temps de lire la suite. Ok. Je trouve que les musiques sont quand même plutôt pas mal pour mettre dans l'ambiance égyptienne. Alors, le truc qu'il faudrait que je fasse... En passant, c'est d'aller récupérer ça. Ok, c'est ça là-bas. Ça marche. What? Ok, donc il m'a foncé dedans gratuitement, hein, le mec avec son cheval. Hein. J'ai envie de gagner du temps. Hop. Tac. Tac. Allez, faut encore grimper. T'as juste envie de dire, il n'y a même pas l'air d'y avoir d'escalier qui donne accès à cette terrasse. Comment les gens y font pour venir là? Salut. Synchronisé. Ah, elle est grande la ville, hein. La vache, hein. Je suis impressionné par la taille qu'ils ont fait. Certaines choses, c'est... Hein, à défaut d'avoir bien codé leur jeu sur certains points. Ok. Ah, ça relag. Je suis... Je suis déçu que ça ait autant de mal que ça.
Ah, c'est lui la cible. Hop. Non, c'est même pas un trésor, c'est des escaliers. Ok, il y a un autre soldat là, il y a un autre soldat là. Il n'y a pas masse soldats par ici. Il doit y avoir un trésor par là. Voilà, il y a un trésor là. Il doit y avoir un autre trésor. Ah non, capitaine. Hop, un autre capitaine et un trésor. Ok, 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 il y a du monde. Mais en attendant, ma cible, elle est plutôt à l'extérieur. Ce qui pourrait bien m'arranger. Ah, fuck. Il y en avait un autre là? Ouais, s'il sort barre par là, ça m'arrange moins. Ah, il y en a un là aussi, tiens. Non, il n'y a personne là. Tac, 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 tac. Ah, sinon, je peux monter par là directement. Hop, en mode infiltration. Ah bah oui, fatalement, hein, il faut que tu montes là. Donc pour éviter de me faire repérer par les archers... Lui se met à la porte. Il fait quoi lui? Il rentre à l'intérieur? Il rentre à l'intérieur. Non, bah on va plutôt aller grimper par là, hein, parce que sinon, à mon avis, je me fais repérer. En 2-3 coups de peau de cuir à peau. Oh la vache, il a bougé. Viens voir un peu par là. Merci, cher ami. Ta-la-la-la-la, ta-la-la-la. Non, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup plus de monde que ça. Si, il y en a un là-bas. Mais après... J'ai l'impression qu'il y a plus de monde de ce côté-là. Tac-t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 ac
Bon allez, par contre là je le bute. Zble. Je m'en sers. What? Non, voilà, voilà, c'est ça que je m'attendais à avoir ça. On est d'accord. C'est chelou, ça. Pourquoi m'as-tu entraîné au pays des morts? Tu voulais tuer ma femme. Ta chienne. Ça me paraît être une bonne raison. Elle a tué délibérément. Bah oui, je sais. J'ai fait mon devoir de Philakitai. Et c'est pour ça que tu as pris ma vie. Exactement. Ta vengeance est-elle au-dessus des lois, Medjay? Prends garde. Les Philakes te traqueront et se vengeront sans pitié. Puisse le cacher, marcher à tes côtés. Le seigneur de la douate attend. Oh. Trop stylé. Bon, par contre, maintenant, run. Run for your life. Les Philax. Des Philax vous recherchent. Ce sont de puissants chasseurs de primes qui vous attaqueront à vue. Oh, sympa! Tout ce que j'aime. Aïe, aïe, aïe! What? Toi, tu meurs? Aïe. Aïe. Wouh. Si j'avais pu mettre une esquive, ça aurait été mieux. Ah. Ah, blablabla. Voilà. Bon, j'ai réussi mon objectif. C'est pas bien grave que je me sois fait des synchros. J'ai encore un peu de mal avec le système de combat de ce nouvel Assassin's Creed qui est franchement assez punitif. Mais ça va commencer à le faire. Petit à petit. Par contre, s'il y a vachement d'ennemis en même temps, je pense que quoi qu'il arrive, ça va pas trop le faire. Donc il s'oriente énormément infiltration et discrétion au possible. Ok, mon téléphone me met des trucs chelous. Ouais. Enfin bref. Un niveau, une mission avec un, enfin une quête avec un niveau suggéré de 1. Ah oui, c'est celle-là, celle qui m'a donné. Oh, non, super. Vachement intéressant. Oui, il faut que j'aille assassiner le serpent. On continue encore les quêtes principales. Qu'est-ce que c'est que j'ai trouvé là? Ah oui. J'aime pas me battre au massu. Je suis désolé, ça fait plus de dégâts et tout que l'épée, mais j'aime pas du tout. Ah oui, mais par contre, j'ai débloqué la deuxième arme. Ah non, pas du tout. Alors... faut que j'aille là-bas. J'ai pas vraiment de points plus rapides. Canopus Nom. Pourtant, ça a l'air d'être la... ah non, 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 Alexandrie s'arrête bien là. Ok. La zone interdite, la garnison... ah oui, il y a un commandant et deux capitaines, d'accord. Mais normalement, je l'ai tué, le commandant, non? C'était pas lui, le commandant? Moi, je sais pas. On va, en tout cas, aller s'occuper du serpent. Le bureau du scribe se trouve dans la partie nord du palais. Donc on va infiltrer le palais de Pharaon. Donc de Ptolémée. Tout ce qu'il y a de plus normal.
T'as changé de perso, on ne voit pas ses cheveux sous la capuche. C'est normal, il les a plus. En fait, j'ai pas du tout changé de perso, c'est... que à la fin du live précédent, où tu n'étais plus là, il a retrouvé sa femme. J'ai retrouvé ma femme, Aya. Et en plus de ses cheveux qui ont disparu, tu vois qu'il n'a plus sa barbe horrible. Et en fait, ben, elle lui a gentiment tout coupé. Voilà. Elle lui a très gentiment, absolument tout rasé, tout coupé au couteau. Et ce qui est quand même, je trouve, beaucoup mieux. Non, moi je préfère quand même comme ça. C'était trop avant en fait. Donc il arrive à localiser ma cible là-bas, mais par contre pour lock les ennemis qui sont là, il n'y arrive pas. Chercher l'erreur. Ok, il y a un trésor là. Oh, mais à mon avis, il doit y avoir full trésor dans le palais. Il y a l'air d'y avoir full garde aussi, hein. Tac, 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 tac. On dirait un zombie. Bah oui, c'est le but, cher ami. Pour faire peur à ses ennemis. Eh, hey, pas dégueu le palais, hein. Franchement, ça va, il y en a qui s'embêtent pas, hein. Libre comme l'oiseau. Utiliser l'aigle un total de 30 minutes. La vache, déjà? Ouais, bah c'est pas Resident Evil, ça va pas. Bah ouais, je sais. Écoute, hein, si tu veux. Je suis pour rien, moi, hein. Je le préfère quand même comme ça. On nous avait vendu un mec... rasé, chauve, on a commencé avec un mec, chevelu et barbu. Ça va pas. Bon, je pense que j'ai repéré assez de monde, j'aurais pas besoin d'aller jusque là. Vive les barbus! Lieu découvert, le palais royal. Alors, il y a 3 trésors qu'on peut piller ici. Mais il sort d'où, lui? Je l'avais pas vu. Et là, je me fais repérer par cet unique mec. Je pète un câble. Paf! Allez, ciao, bonsoir! Paf! Ciao, bonsoir! Paf! Il ne laissait qu'une traînée de mort derrière lui. Oh! Paf! Ciao, bonsoir. Putain, encore un que j'avais pas repéré. Ah non! Il se fout de moi, là. Donc je disais encore un que j'avais pas repéré. Putain, mais y en a de partout. J'ai pas débloqué encore le truc où il peut attaquer. C'est dommage.
Paf! Non, tu sais pas ce que t'as vu. Tu sais pas ce que t'as vu. Vas-y, approche. Approche, approche. Viens. Il ose même plus bouger, le mec. Oh. Si, ça y est, il va venir. Vas-y, approche, je t'attends. Je t'attends, je t'attends. J'ai tout mon temps. J'ai tout mon temps, moi, pour assassiner les gens, mon gars. Vas-y, viens. Approche, approche. Trop sûr de toi! Et voilà! Alors, c'est nous, dis-moi. J'aimerais éviter d'avoir d'autres nouvelles surprises de ce genre-là. Y a encore du monde que t'avais pas repéré? Se soulage. Ah non, là, il se soulage pas, là. Là, je suis désolé, mais il est pas en train de se soulager. Ok, il y a un autre trésor là. Ah, j'ai bien fait, il y avait un autre type ici. Ok. Tac ta 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 ta. Alors lui, il s'est assis en plein milieu, oui, normal. Putain, mais il y avait aussi un type là. Mais les mecs ils popent de partout, c'est pas possible! Il faut. Ah ouais, non, mais il faut que j'aille encore là. Putain, mais il y a des mecs partout! Bon, en même temps, c'est le palais. S'il n'y avait pas des mecs un peu partout, la sécurité, elle laisserait sérieusement à désirer. Me diriez-vous? Ouais, mais quand même. Eh ben oui, c'est ce que je craignais. Il va monter. Ok, munitions complètes, on va attendre là. On va voir, on va voir. Est-ce qu'il cherche à rentrer ou est-ce qu'il va passer derrière? Qu'est-ce que tu vas faire, toi? Oh, le bâtard! Oh non, il y en a un qui arrive en face, sérieux. Ils ont décidé de faire des rondes rien que pour m'emmerder, c'est pas possible. En attendant, il est tout seul l'autre là-bas. Ça m'énervait qu'il soit deux, ça m'arrange qu'il soit plus que tout seul. Paf! La 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 la. Paf! Y'en a un qui monte! C'est sérieux là? Tac! Paf! Putain, les mecs ils montent de partout quoi, c'est... Tout d'un coup il se dit tiens, je monterai bien à l'échelle. Ouais, il fait des trucs chelous lui. Putain, il y en a un autre qui monte quoi. C'est genre il leur prend des envies comme ça. Hop, c'est pas grave, hein, tu vas y passer aussi, hein. Tac.
Il y en a d'autres encore qui... Non mais... Non mais c'est une... Eh, c'est une blague? Mais c'est une fucking joke? Mais c'est pas possible! Il y en a combien encore qui vont monter comme ça? Mais what? Mais c'est scripté ou quoi? Encore un mec que j'avais pas repéré? Non, bon, ce coup-ci, il monte pas, mais... What the fuck, quoi? Les mecs, ils enchaînent. T'as l'impression que t'en butes un, il y en a un autre qui réapparaît derrière, quoi. Oh, putain, lui, il me fait chier. Bien sûr, va pas y avoir d'ouverture au niveau des fenêtres, hein. Ce sera trop simple. Bah non, il hein, va pas y avoir de fenêtre ouverte. Parce qu'après tout, ce serait pas drôle, rentrer par une fenêtre ouverte pour un assassin. C'est vrai que c'est tellement pas logique. Oh putain, il y en a une ouverte là. Saloperie de merde. Ah, il est en train de se barrer. Peut-être y avoir moyen que j'y entre par cette fenêtre. Yes! Ok. Alors maintenant, c'est nous, on peut plus beaucoup m'aider. Ah, il fallait juste que j'arrive là? Ok. Entrer dans la zone d'investigation. Qui est le serpent? Voici les quartiers du scribe royal. Ouais. Alors, le règne de Ptolémée Théos, tel que décrit par le scribe royal, le rouleau. Ensuite... C'est verrouillé. Ah d'accord, c'est verrouillé. Il me faut une clé, donc. Ça doit être important. Là. Une échelle. Une échelle. Mmh. Pété. Il est un peu lourdeau. Fuck. Alors peut-être en me servant de la statue. Yes. What? Mais non! T'es sérieux, là? Ah, la clé. Okay. Il est là, le coffre. Yeah! C'est bon. Hein? Personne à droite, personne à gauche? Ouvrons le coffre. Alors, qui est le serpent? Officiel. Ce coffre appartient au scribe royal, Eudoros. Eudoros. Mmh, d'accord. Un double fou. Oh lol! Comme par hasard. Un masque. Je trouve un masque. Ah non, même pas. Ok, d'accord. Une lettre. Une lettre! Très cher Ibis. Ah bah tiens. Le pharaon demeure-t-il. Il reste notre marionnette en toutes choses. Agis avec prudence, Assiwa. Le meurtre du héron n'était pas le premier. Deux d'entre nous ont aussi été tués ici, à Alexandrie. Nous gardons pourtant le contrôle de la situation. Genadios s'emploie à interroger la population. Nous tu veux dire celui que je viens de m'abuser à buter? Hein, c'est ça? Celui qui vient de m'amuser à buter? Ah bah, tiens, bon, on peut le dire, scribe je pense. Royal et le serpent, c'est Eudoros. Oui, je pense qu'on peut le dire sans trop de problèmes. Rejoindre les Aya bains. Aya a dit que le scribe royal allait souvent au bain. Je vais aller tuer ce nez qui est diadète d'Eudoros. Là, je vais me faire repérer, par contre, si je sors par la fenêtre tout de suite. Les mecs, ils vont me voir en 2-2.
Faut que j'aille au bain. Ah, je peux utiliser le déplacement rapide. C'est parti. on cheat complètement. C'est legit, le jeu il a autorisé. Ils m'ont pas obligé à sortir du palais avant de pouvoir me TP, c'est legit. Ça par contre je trouve c'est dommage dans un sens. Dans des précédents Assassin's Creed, ils nous auraient fait sortir de la zone interdite avant de pouvoir nous TP ou autre. Mais c'est legit, ils ont autorisé. Ah, c'est parfaitement legit. Et mon esprit est-il legit? Ah, c'est legit. Ils m'ont autorisé, c'est legit. Oh fuck. Les mecs qui me traquent à vue. Ouais, mais il m'a pas vu. Il m'a pas vu, donc il va pas me traquer à vue, parce qu'il m'a pas vu. On est d'accord. Je me casse de l'autre côté, de toute façon, donc je m'en fous. Il peut me traquer. Qui me traque, d'ailleurs? What? T'es sérieux, là, Bayek? Ah, je me casse une jambe. Ça me paraît un peu direct, là, dis donc. Ah d'accord, donc en fait, oui, non, c'est complètement en mode direct. Bon, bah, entrons dans les bains. On va aller prendre un petit bain avec le serpent. On va aller prendre un petit bain avec le serpent. Et là, j'espère qu'ils vont nous annoncer qu'il y a full mec masqué qui contrôle le pharaon. En plus de lui et des autres qui sont déjà morts. Sinon, c'est pas drôle. Et il a quand même gardé la lame, hein. Il est pas fou, hein. Assassiner Eudoros. Donc c'est des clients, uniquement, ici, on est d'accord. Donc je suis pas obligé d'y aller en mode... Eudoros en justice pour plagiat. Non. Rien que le bâtiment justifie le voyage. J'aurais pu assassiner le garde. C'est tout simplement divin. Tout est bien à votre goût, seigneur. Ah putain, il est là. Ah Seigneur, est-ce que tout vous convient? Ptolémée est un fait, mais un simple d'esprit. Simonides. Allez, moi je grimpe à sa. Je grimpe à sa fenêtre, hein, sans aucune forme de procès. Oh, trop facile. Trop facile. Veux-tu, crétin? Moi je vais venir t'ennuyer. Knac, 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 knac. Qu'est-ce que tu dis de cet ennui-là? Non mais je l'ai tué à la lame, pourquoi le noyer? Ah bah voilà, c'est beaucoup plus efficace comme ça, hein. Alors qu'un petit coup de lame, hop, en lui sautant dessus, là t'étais tranquille. Sors la lame dans sa main. Voilà. Dans sa bouche directement. Ah. Il faut nettoyer les cadavres, voyons, exactement. C'est de là que vient le fait que les assassins ils se coupent l'annulaire. C'est de là que ça vient. Pourquoi veux-tu me tuer? Sauf effectivement, il y a eu c'était... Non, Ezio, il s'était coupé l'annulaire aussi. Tu n'es qu'un fou. Mais qui c'est qui... Au temple, à Siwa. Qui c'est qui... Quel assassin avait arrêté de se couper? C'est Connor, je crois. Donc Edward aussi, Edward Kenway aussi. Qui avait gardé l'annulaire, mais... Anubis. Ah non, peut-être Ezio aussi. Ezio, je crois, c'était justice marquée au fer. Pour tuer le serpent, ça en valait bien la peine. Mais donc c'est de là que, venait la tradition de se couper l'annulaire chez les assassins. Parce que comme ça, ça permettait de garder le poing fermé et que la lame sortait. Oh!
D'accord, ok, c'est sympa. Fils d'Apep, le seigneur de la droite attend. Le seigneur de la droite attend. Oh. Le serpent ne mourra jamais. Il y en aurait un autre. Prêt à prendre le titre de serpent. Action Ubisoft Club terminée. Oh. Ok. Fuir les bains. Ah ! Là, il faut fuir. Eudoros, tué ! Non, Eudoros, il a été tué. Regardez tout ce sang. Pourtant, il était si beau. C'est Eudoros. Oh, le pauvre. What ? Regardez tout ce sang. Pourtant, il était si beau. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'en plus, ils sont tous en train de dire « Oh non, Eudoros est mort et tout !» Mais il n'y a personne hein, dans la pièce. Hein. Bon, bah, j'ai l'impression qu'il suffit juste de passer par là. Toc, 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 toc. Trop facile. C'est trop, trop, trop facile. Je suis déçu. Honnêtement, c'est un peu décevant que ce soit si simple de se barrer. J'ai connu des moments où il fallait sortir plus compliqué que ça. Voilà, on cautérise un petit peu rapidement hein, à la plaie. Hein. Hop. Bon bah ça y est, il a un doigt au moins. Ah, je peux fabriquer quelque chose et j'ai pris un level. Tenue. Je peux mettre la tenue drap de bain. Oh oui, mon visage est caché. Personne ne me reconnaît. Le pagne. Bon, plus sérieusement, remettons la vraie tenue. Et je peux... Ah, nice. Tac. Agrandir le carquois. Non, ça je peux toujours pas. Et je peux pas améliorer la lame secrète. Ok. Ok, très bien. Et je pense qu'on va s'arrêter là. Tout simplement. Okay. Ah, on va peut-être juste faire ça. On va aller voir Aya. On va aller voir notre femme. Voilà. Et puis, on s'arrêtera là. Cible. Voilà. On n'a plus de cible. C'est fini. Elles sont toutes mortes. Donc là, il y a intérêt à ce qu'ils nous disent. Mais non, Coco, il y en a d'autres. Parce que sinon, je pète un câble, en fait. Mais bon, c'est presque obvious qu'il y en aura d'autres. Alors, qu'est-ce que je peux prendre encore avec un point? Des bombes incendiaires. Ou le vendeur. Ouais, bof. Un écran de fumée. Peut-être plus utile. Des fléchettes soporifiques. Ça, c'est pas mal aussi. Fléchettes soporifiques. Ouais, l'harcèlement de l'aigre, il me faudrait de... Ah bah non! Porteur d'armes, voilà! Pour avoir une deuxième arme sur moi. Parfait. Pour pouvoir switcher. Bah justement, en parlant d'armes. Inventaire, non ça c'est un objet de quête, ok. Équipement. Alors, qu'est-ce qu'on va se mettre en deuxième arme? Masse et lame lourde, je suis pas fan. Le sceptre. Le sceptre, c'est pas trop mal. Comme arme pour se battre. Ok, voilà, on peut changer d'arme comme ça, parfait. Ok, et donc la suite... J'avais pas fait suivre? Pardon. Ouest. Ah, mais c'est pas loin. Oh. Allez, on va finir avec ça, et on arrêtera le live pour aujourd'hui. Tac. Hop, ça passera plus vite comme ça. Tac.
Hein? Et voilà. Alors, ma chère Aya. Elle est sur le toit, en fait. Elle est pas là. Ah d'accord, elle est descendue. Mon amour. Ah oui. Refaisons l'amour. Et Genadios sont morts. Oh. C'était Eudoros. Il a sombré dans les eaux des bains. J'aurais aimé assister à sa mort. Ouais, t'aurais aimé, hein. Ça aurait été orgasmique. Ça va, ils se sont trouvés un petit lieu peinard, hein, quand même. Hein. Ma femme. Ma femme. Je pense qu'on a compris, c'est ta femme. Hein. T'inquiète pas. On a bien pigé le truc. Le phare d'Alexandrie, là-bas. Ah non! Ils vont nous faire sortir de l'animus, encore! Succès, je ne fais que commencer. Terminer la quête principale, Aya. D'accord. Ok. Suite fabrication. Ah, on va ressortir de l'animus. C'est pourri! Ça a l'air encore moins intéressant qu'avant, en plus. De toute façon, on s'arrêtera là. On s'arrêtera à ce live là-dessus. Oh là là! On joue une femme, en plus, dans le présent, maintenant! Je me demandais si je devais te sortir de là. Ton adrénaline et ta tension sont élevées. Ça affecte ton rythme cardiaque et tes relevés hormonaux. En particulier la sérotonine et l'ocytocine. À tes souhaits. Qu'est-ce qui t'est arrivé là-dedans ? Aya est là. C'est qui ? La femme de Bayek. Je la sens, tout près. Tu la sens ? What ? Je suis sûre que ça doit être l'effet de transfert. Avec les mémoires de Bayek, tu ressens aussi ses émotions. Non, débile. Je crois qu'elle est dans cette grotte. Les époux partageaient souvent le même tombeau. Une deuxième momie? Il faudrait le signaler à Abstergo. Si on arrive à trouver Aya. Si tu ne le fais pas, je m'en occupe. Diana, on se fera avoir si on suit les règles. Tu sais qu'ils me laisseront à l'écart. D'accord. Là-bas. C'est quoi? L'effet transfert me mène à Aya. Génial. Toi qui te prenais déjà pour un super-héros. Ouais, bah on va s'arrêter là, hein. J'ai pas envie de continuer ça tout de suite. J'ai la gorge qui commence à être bien sèche. Il se fait tard, plus de 2 heures de live. Donc sur ce, moi je vais vous donner rendez-vous. J'ai toujours pas trouvé. À une prochaine pour un nouveau live. Peut-être ce soir, mais ça m'étonnerait. Et sinon, de toute façon, demain, un live encore une fois, normalement, de Super Mario Odyssey et d'Assassin's Creed Origins, et donc on continuera, on ira trouver Aya. Sur ce, bah, je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à me suivre sur Twitch et sur Twitter. Alors, et éventuellement à vous abonner à ma chaîne YouTube où je mets mes rediffusions de live. Et sur ce, moi je vous dis salut tout le monde et à la prochaine. Bye.